La grâce, c'est la baillée des filles. Pour la première fois au Poncet, nous avons fait venir des Amazones des quatre coins du royaume. Toutes plus belles les unes que les autres, messieurs. C'est pour vous aujourd'hui, spéciale dédicace. Ouais. Non mais mesdames, il y en a pour vous depuis des années. Hein, aujourd'hui, c'est pour les messieurs. Voilà, c'est comme ça. Bon, s'il y a des dames qui aiment les dames, c'est votre problème. Hein, c'est à la mode en ce moment. Hein. Vous pourrez peut-être même en épouser. Nous, ça ne nous dérange pas. Elles sont libres. Vous verrez après. Bien. Alors, évidemment, certaines viennent du nord, même de très très loin, d'autres du sud. Il va falloir que leurs écuyers les présentent. Donc, vous savez qu'au Moyen-Âge, on a des lettres de noblesse. Donc, je vais demander à chaque escuyer de venir me présenter son Amazone. Donc j'appelle en lice le premier escuyer qui va courir, qui va godasser pressément. Allez, godasse, pressément. Oui, ouais, oui, bien entendu. Voilà, avec formidable, une lettre de noblesse. Fort bien, moult regracié soyez. Alors, oui, oh, bah, ça va. Elle a juste couru. Hein. Non, parce que normalement, leur boulot, c'est la vaisselle. C'est génétique. Non, je rigole, il y a le ménage aussi. Bien. Alors, celle-ci semble nous venir du royaume d'Écosse. Elle s'appelle Elisabeth, on la surnomme Beth. Oh, Beth. Du clan Mac Asket. Beth Mac Asket. Fille du seigneur Asket et de dame Ulop. Une chouette fille au demeurant. Sa violence et son caractère n'ont d'égal que sa beauté et son manque d'éducation. Fille primaire et magnifique, nièce du célèbre McDonald, créateur d'un célèbre repas. J'appelle en lice la douce Bess. La voici. Sa devise, bière qui coule, ça va, me fait poigner. Sa devise, pour une poignée de sable jetée dans le vent, Dieu créa mon joli cheval blanc, Yasmine. Voilà. On va se calmer, hein. Ah bah, oh non, ça va pas, non. Voilà, n'importe quoi, doucement. Ah. Voilà. Ah bah voilà, là on a le temps de la voir, hein. Fort bien. Fille de France et de Navarre, pupille du roi René, descendante directe de Anne, duchesse de Bretagne, rien que ça. Chevelure de jais aux yeux verts émeraude, sa délicatesse n'est égale que celle de la biche, n'importe quoi. Enfin bon. Ses faits d'armes ne sont plus à compter en ce royaume, ses ennemis tous oxys sous la pierre reposent, et à jamais se remémore le visage de cette Amazone victorieuse. Sa devise, mon cheval fuit, non, sa devise, ma force est mon droit, en lice, Gertrude des Ponts de C, mesdames, messieurs, voilà. Oui, bah, ça va aller aussi, non, pas plus que ça, oui, un peu, ouais, formidable, voilà, dame Gertrude, quelle élégance, ma foi. Bien. Ah, très bien. Elle nous vient des plaines de la taïga, des pays de l'Est. Une fille de l'Est, une grande blonde, avec des longs cheveux. Oh. Voyons voir ses lettres de noblesse. Dieu créa la terre, Dieu créa le ciel. Il acheva son œuvre le sixième jour. Le septième, pris de démence, il créa Olga. C'est elle. Même Dieu peut faire une bourde. Hmm. Au vu de sa création, il créa de même le maquillage. Fille de l'Est et des radiations, ses parents l'ont surnommée OGM. Oh. Organisme gras et moche. Oh. Ah ouais, quand même. J'appelle en lice Olga de Tchernobyl. Oh. C'est nul. Je ne sais pas ce qu'ils vont m'envoyer là. Voyons voir. Ah oui. C'est
un homme. Ah oui. C'est un homme. Ah quand même. Elle est charmante. Oh, oui. Oh regarde, vous êtes charmante. Oh, la ah. Chantez l'âme de vos seigneurs, Olga de Tchernobyl. Voilà, je crois que les dames vont être servies quand même finalement. Bravo Olga, je suis content avec votre rose. On voit que vous y avez mis tout votre cœur. Bien. Peut-on commencer cette fois? Il n'y a plus de... de l'adresse de ces charmantes demoiselles. Le troisième escuyer, la tient comment la rose? Ah, comme ça. D'accord, bon, bien. Ça va passer? Ils sont pas trop serrés? Un petit peu. C'est parti. Une rose, paf. Et d'une, deux. Là-bas. Hein. Ah, c'est... Là-bas. Oh. C'est dans l'autre sens, c'est là. Et trois. Voilà. Fort bien. Quoi deux? Bah tremble pas comme ça, ça va aller. Allez. Non mais là, elle est là, attention. Voilà. Relevez votre tige. Hop. Et d'une, deux. Et trois. D'accord. Oh, j'adore. Elle est mignonne. Elle est mignonne. En lice, Olga de Tchernobyl, mesdames et messieurs. Non, on ne fait pas des bisous à tout le monde comme ça, Olga. Tu restes là, hein. Tu donnes la main à Rachel. Non, Olga, ça se mange pas. Non, elle a mangé. Ah non, Olga, tu craches pas. On ne Olga, on ne crache pas. Arrête de...
bien. C'est lui le chef, alors pas le contraire. Hein. Non, non, c'était bien. Bon, à part Marcel, mais Marcel, c'est son ami, alors c'est normal. C'est pas un goût, Arzo. Bon, vous avez toujours pas mal aux pieds, tout va bien? Hein? Il est où Marcel? Allez, voilà. Chauffe Marcel. Alors maintenant on va faire...